On a dit que la résurrection, c'était l'acte de passer de la mort à la vie ou de ramener un être qui était mort à la vie. Et on a dit que le plus grand mystère que l'homme n'ait jamais connu, c'est la mort. Et on a dit qu'il y avait trois définitions de la mort et trois définitions de la résurrection. La première définition de la mort, c'était la mort physique. Et il y avait la mort spirituelle et la mort définitive. Et on a aussi parlé de la résurrection, trois types de résurrection, la résurrection physique, la résurrection de l'esprit et la résurrection définitive. Et l'homme de Dieu a dit qu'aujourd'hui qu'on devait parler de la définition définitive. Bon, ce qui m'a marqué, c'est la résurrection miraculeuse. Ce qui s'est passé, c'est que il était mort, le frère de Marie, son nom déjà, Lazare, merci. Il était mort et Marie et sa soeur n'avaient pas la foi. Elle ne pensait pas que Jésus pouvait le ressusciter. Et ce que j'ai retenu, c'est que la grotte représentait ce manque de foi. Et comme pour la fille de Jairus, ces gens qui étaient dans la salle manquaient de foi. Et j'ai retenu que ma foi peut ressusciter quelqu'un. Parce que la leçon d'avant-hier m'a dit que je suis sainte, je suis une part de Dieu, donc je suis Dieu aussi. Donc parce que Dieu a dit et que je peux utiliser la parole de Dieu, dès que je vais déclarer, lève-toi, la personne que se trouve aussi. Amen. Et j'ai retenu encore qu'il faut avoir la connaissance, il faut savoir quoi dire en ce moment-là. Donc, il faut toujours avoir la connaissance de la parole. Qui revient encore à dire que l'homme spirituel n'est pas seulement celui qui déclare, mais celui qui sait aussi ce qu'il doit dire, ce qu'il doit déclarer, qui est encore la parole de Dieu. Et j'ai encore, on a parlé de la résurrection de l'esprit, le renouvellement de l'esprit. Et on a dit que le renouvellement de l'esprit part aussi de la parole. Il suffit que la parole soit parlée, la parole soit déclarée, la parole du Saint-Esprit. Il y a ceux qui sont encore dans le processus du renouvellement de l'esprit. Il y a ceux qui l'ont déjà accompli. Il y a ceux qui se baptisent, mais qui sont encore dans le processus. Ok. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais peut-être qu'il y a d'autres qui sont. Amen. Oui, le frère, il veut parler, c'est ça? Ah, ok. Personne ne veut parler ou le compléter. Vous voulez parler? Oui, la soeur, soeur Fouébé, tu veux parler, non? Voilà, donnez-lui le micro. Shalom, shalom. Bon, le temps de l'enseignement d'hier était découvrir le mystère de la résurrection. On a d'abord défini qu'est-ce qu'un mystère, disant que un mystère peut être une connaissance cachée qui doit être mise à découvert. Et on a aussi dit que ça peut être une chose cachée. On a dit que la résurrection, c'est le processus. C'est le processus qui permet de redonner vie à ce qui était déjà mort. Et maintenant, on a parlé des trois types de mort. On a dit la mort du corps, la mort de l'esprit de l'homme et la mort définitive ou encore la mort éternelle. Et on a parlé de la résurrection. On a parlé de la résurrection miraculeuse, qui est la résurrection qui consiste à redonner vie au corps qui est mort, dans la mort du corps. Et on a pris l'exemple sur Lazare quand Jésus venait ressusciter Lazare. Et aussi là-bas, j'ai compris que, comme on a dit, que la pierre qu'on a ôtée dans le sens spirituel est aussi une barrière que Dieu doit ôter avant de nous ressusciter. Voilà. Que la pierre permet, la pierre est une barrière dans le sens spirituel dont Dieu ôte d'abord avant de nous ressusciter. Et quand Dieu ôte cette pierre, il prononce d'abord sa parole pour nous ressusciter. Et on a aussi pris la fille de Jairus, dont les gens, dont la foule représente aussi la pierre que Dieu doit ôter avant de ressusciter la fille de Jairus. Et ce que j'ai compris, c'est que on a dit que l'exemple de la résurrection de Lazare, Dieu nous montre aussi par là qu'il peut aussi ressusciter l'esprit. Bon, c'est ce que moi j'ai compris sur la résurrection miraculeuse. Et on a aussi parlé de la résurrection de l'esprit, qui est le changement de l'esprit.
ou bien que la régénération. C'est ce que j'ai retenu. Alléluia. Vous êtes super. Acclame le Seigneur encore pour ta vie. Que le Seigneur vous bénisse tous. Quand vous tous les enseignements sont assimilés, c'est assimilé et je suis content. Et le ciel aussi est content. Donc, comme on a dit hier, nous sommes toujours en train de découvrir le mystère de la résurrection. Et aujourd'hui, nous allons parler de la résurrection des morts ou la résurrection de tous les morts. Nous ne pouvons pas parler de la résurrection des morts sans pour autant répondre à certaines questions qui sont très importantes, qui sont essentielles, qui vont ouvrir notre esprit pour qu'on puisse réellement comprendre de quoi il s'agit. Nous allons répondre à cette question. Que se passera-t-il à la résurrection des morts? Nous allons comprendre, nous allons aller dans la profondeur pour savoir ce qui va se passer à la résurrection des morts. Nous allons aussi répondre à la question qui est que deviendra ou bien quelle sera la destination finale de l'âme du corps, de l'âme et de l'esprit de l'homme. C'est-à-dire, après la résurrection, que deviendra le corps, que deviendra l'âme et que deviendra l'esprit. Ce sont des choses sur lesquelles j'ai jugé bon revenir encore en profondeur pour que vous puissiez comprendre ces choses. Nous allons aussi répondre à cette question. Les saints seront-ils jugés à la résurrection? Est-ce que Dieu jugera les saints à la résurrection? C'est-à-dire ceux qui sont sauvés. Est-ce que ceux-là seront jugés par Dieu à la résurrection? Nous allons répondre à la quatrième question qui est celle-ci. Les injustes aussi seront-ils ressuscités? C'est-à-dire les injustes aussi ressusciteront-ils? Est-ce que Dieu ramènera aussi à la vie les injustes? De même qu'il ramènera à la vie les saints. On aura à répondre à cette question. Et pour finir, on va aussi répondre à la toute dernière question qui est ce que notre corps, notre vie sera avec le Seigneur, où est-ce que nous allons habiter avec le Seigneur après notre résurrection finale et notre glorification finale. C'est là que nous allons parler des corps célestes. Nous allons parler du corps céleste dans 1 Corinthiens 15. Quand on dit vive la vie de l'esprit, vive la vie de l'esprit pour des expériences vivantes et surnaturelles, c'est de ça il s'agit. Nous allons vivre la vie de l'esprit. Nous allons entrer dans le mystère de la vie de l'esprit pour comprendre. Et toutes ces choses sont dans la vie de l'esprit. Parce que c'est dans l'esprit que tout se trouve. Donc nous allons comprendre définitivement et finalement comment est-ce que les corps célestes, comment est-ce que Dieu nous donnera les corps célestes et comment seront ces corps célestes que nous allons recevoir. Ce qui nous permettra de comprendre aussi si la résurrection sera consécutive ou sera d'abord simultanée ou consécutive. La résurrection des morts, est-ce qu'elle sera consécutive ou bien simultanée? Ça veut dire quoi? Quand on parle de simultanée, est-ce que ce sera en même temps, ensemble? Parce qu'on a parlé des saints, on a parlé des injustes. Donc, est-ce que ce sera simultané ou ce sera consécutif, c'est-à-dire ça va se suivre dans le temps? Le Saint-Esprit va nous aider à comprendre ces choses et va ouvrir notre intelligence. À la connaissance de toutes ces choses, tu seras un homme spirituel en Jésus. Parce que ces choses font partie de la connaissance de Dieu que nous devons avoir
pour être des hommes spirituels. Parce que je vous ai dit que la connaissance est ce qui montre, qui atteste que nous sommes des enfants de Dieu ou des hommes, nous sommes des fils de Dieu ou des hommes spirituels. Parce que la connaissance s'est donnée au Fils. Ou quand on acquiert la connaissance, on est fils de Dieu. Et la connaissance nous fait grandir dans la foi que nous professons, qui est la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Qui est présent? Qui veut comprendre ces choses? Qui est prêt à comprendre ces réalités pour devenir un homme spirituel? Acclame le Seigneur Jésus. Ne négligez rien de tout ce que vous recevez depuis ces 7 jours. C'est les choses qui vont vous forger, qui vont vous permettre d'avoir des bonnes bases, des bases solides. C'est comme si on vous a pris, on a mis, on a déversé en vous beaucoup de connaissances, assez de connaissances qui vont faire que vous ne serez plus des enfants dans la foi, mais vous serez des fils de Dieu dans la foi. Parce que l'enfant s'identifie à Dieu dans la reconnaissance de la parole de Dieu. Il s'identifie au Père. C'est, il porte le nom du Père et il reste seulement à ce niveau parce que le nom du Père le couvre. Mais le Fils porte non seulement le nom du Père parce qu'il était enfant ou il a été enfant, mais il connaît le Père. Il ne s'identifie pas seulement au Père, mais il est une identité du Père ou un dérivé direct du Père. Quand on voit le Fils, on voit le Père. C'est pourquoi Jésus est le seul qui peut nous donner la révélation de Dieu ou la révélation du Père. Parce qu'en voyant Jésus, tous ses caractères, toute sa personnalité, son identité, Dieu qu'on ne connaît pas et qu'on ne voit pas, on peut le représenter en lui et en le voyant. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons aussi aller sur un concept donné. Parce qu'il y a beaucoup qui disent que les morts ne ressusciteront pas. Qu'il n'y aura pas la résurrection des morts. Donc nous allons aller attaquer d'abord ce sujet pour ouvrir notre esprit pour pouvoir comprendre les choses. Vous allez me prendre le livre de 1 Corinthiens 15, le verset 12. 1 Corinthiens 15, le verset 12. En Corinthiens chapitre 15, verset 12, le nom de Jésus. Or, si on prêche que Christ est ressuscité des morts, oui, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Il y a quelques-uns dans l'église de Corinthe ou à Corinthe qui ont enseigné des doctrines. Leur doctrine a pour but à dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Pour eux, Dieu ne ressuscitera pas les morts. Et ils avancent des arguments. Leur argument est fondé sur un événement, un grand événement qui s'était déjà passé dans Matthieu 27, qu'on va comprendre aussi, on va voir dans la suite. Et à cause de cet événement, ils appuient sur cela pour dire que la résurrection des morts n'existera plus ou il n'y aura plus de résurrection des morts parce que pour eux, Dieu a déjà ressuscité les morts. Or, nous savons très bien que notre foi est reposée sur la résurrection de Christ. Et parce que Christ est ressuscité, nous croyons que tous les morts reviendront à la vie par Dieu. Dieu ramènera à la vie tous ceux qui sont morts. Donc nous devons nous mettre d'accord que la résurrection des morts est une doctrine biblique, une doctrine chrétienne que nous devons nous inculquer. Nous devons croire en cette doctrine que les morts ressusciteront à l'image de Jésus lui-même qui était mort mais qui vit maintenant pour Dieu au siècle des siècles. Alléluia. 1 Corinthiens 15, 13. Tu suis 13. Oui. 1 Corinthiens 15, verset 13. S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Donc, si les morts ne ressuscitent pas, ne me dites pas que Jésus aussi est ressuscité. Parce que les morts, la résurrection des morts prouve, ou bien la résurrection de Christ plutôt, prouve que les morts ressusciteront.
ressuscité, cela montre que tous les morts qui vont mourir en lui, mourir en Christ, aussi ressusciteront. Parce que Christ a le pouvoir de ramener à la vie tout ce qui est mort. Alléluia. Oui, ça continue. 14. Verset 14. Oui. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Donc si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a pas d'effet, n'a pas son authenticité, notre prédication est nulle et n'existe même pas, et aussi notre foi est vaine. Donc ça veut dire quoi? La résurrection de Jésus est la chose qui nous maintient encore toujours dans la foi. C'est ça qui fait de nous des chrétiens. Si Jésus n'est pas ressuscité, alors je ne suis pas chrétien. Et inutile pour moi d'être chrétien. Or, Jésus est bel et bien ressuscité. Et c'est à cause de sa résurrection que moi, je suis porteur de son nom. Et j'ai l'espérance. Je crois qu'il est ressuscité. Et à cause de cela, je serai ressuscité. Alléluia. Pourquoi est-ce que nous prenons l'exemple de Jésus pour pouvoir parler de la résurrection des morts? Parce que Jésus est d'abord le premier-né des morts, et d'abord le premier-né de toute la création, et ensuite le premier-né des morts. Donc il est le prédécesseur ou le précurseur de la résurrection de tous les morts qui vont mourir en lui, ou qui vont vivre et mourir en lui. Donc la résurrection commence par lui, parce qu'il a été d'abord le premier-né de toute la création, et aussi le premier-né des morts. Il est premier-né de toute la création parce qu'il est notre grand frère. Il est le premier-né de toute la création de Dieu parce que c'est en lui que commence la vie de l'esprit, la vie spirituelle. C'est lui qui a apporté une nouvelle forme d'adoration de Dieu, ou qui a apporté un nouveau corps qui n'est pas celui de la mort, qui n'est pas celui de la chair, mais qui est celui de l'esprit. Pourquoi il est un esprit vivifiant? Donc c'est lui qui est né d'abord de Dieu. Et nous tous, nous serons aussi nés de lui. Donc quand il va mourir, quand il est mort plutôt, nous aussi nous allons mourir en lui. Et lorsqu'il est ressuscité, c'est la preuve que nous aussi ressusciteront en lui. Alléluia. Parce qu'il est le premier-né de toute la création. Alléluia. Il est le premier-né des morts parce qu'il est le seul qui a été ressuscité. Il est le seul qui est revenu à la vie et qui a porté un corps glorieux. Donc, à part Jésus, il n'y a personne qui soit revenu de la mort, et qui ait porté un corps de gloire. Il n'y a personne. La résurrection de Lazare était une résurrection qui concerne son corps, qui a été ramené à la vie. Il a vécu pour un temps, il est encore mort et il a été oublié. Mais la résurrection de Jésus est le fait que Dieu a ramené son corps à la vie, mais qu'il a mis une substance dans son corps qui fait que son corps n'est plus un corps corruptible, mais un corps incorruptible, un corps vivant et un corps glorieux. C'est pourquoi il est le premier qui nous a dépensés. Alléluia. Nous allons prendre l'histoire de la résurrection de Jésus dans le livre de Matthieu 27. Comme je viens de le dire, Matthieu 27, à partir du verset 50. Matthieu chapitre 27, à partir du verset 50, j'ai le nom de Jésus. Jésus poussa de nouveau un grand cri et remplit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. De tout le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers du fendier. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la vie sainte et apparurent
à un grand nombre de personnes. Amen. Second. Cet événement est tellement surnaturel qu'il n'est pas donné à l'intelligence humaine de comprendre. On dit que quand Jésus a poussé le cri, d'abord le voile du temple a été déchiré. Et les rochers ont été fendus. Et les morts qui étaient dans les sépulcres sont ramenés aussi à la vie après la résurrection de Jésus. Donc la résurrection de Jésus a déclenché quelque chose de puissant pour montrer que voici la vie, le prince de la vie qui est ramené à la vie, que la mort ne peut pas le retenir et que à sa résurrection, Dieu ramène à la vie tout ce qui était mort. Donc c'est une assurance même pour nous, pour qu'on puisse savoir que en Jésus, nous avons l'assurance que nous revivrons un jour, même si nous sommes morts. C'est pourquoi il dit, celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort, parce que je suis la résurrection et la vie. Donc, le jour là, il a prouvé à Israël, il a prouvé à l'humanité qu'il est réellement la résurrection et la vie. Parce que après sa mort et après sa résurrection, tous ceux qui étaient morts, mais qui étaient morts sous la loi, qu'on appelait les anciens, les corps des anciens, ont été ramenés une fois à la vie par la puissance que dégageait la résurrection du Seigneur Jésus. Alléluia. Quand on dit que le voile se déchira, qu'est-ce qu'on veut nous enseigner? Le fait que le voile soit déchiré nous montre l'accès libre à Dieu. Le voile a été déchiré. Cela montre que nous avons accès libre à Dieu. La terre trembla parce que le Fils de Dieu, qui est le prince de la vie, était mort. Et étant le prince de la vie, il ne peut pas être gardé, maintenu par la terre. Il faut qu'il sorte. Il faut que la terre le relâche. Parce que la terre ne pouvait pas garder le prince de la vie qui est le Fils de Dieu. Les rochers se sont fondus à cause des corps des saints qui y étaient. Et quand on retourne au concept historique de comment les tombes sont faites en Israël, les tombes sont taillées avec des pierres. Et sont comme des grottes où on dépose le corps du mort. C'est des grottes qui sont souterraines et où on dépose le corps du mort et on met une pierre pour enfermer la grotte. Donc on peut pousser la grotte, déplacer la grotte et même voir le corps du mort, toucher le corps du mort. Voilà pourquoi on nous parle des pierres tombales qui se déplacent pour que le mort puisse sortir. Comme la résurrection de Lazare, ou même la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et lorsque Jésus est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on, après sa mort, en même temps, on voit des personnes qui sortent de leur tombe? Et il y a une précision que je veux que vous compreniez. On dit, après la résurrection de Jésus, les corps des saints sont sortis. C'est ce qu'on a dit, non? Après la résurrection de Jésus. Donc ça veut dire que les morts n'attendaient que sa résurrection. Il faut qu'ils ressuscitent pour que tous ceux qui étaient morts sous Moïse, morts sans la connaissance du Fils de Dieu, aussi soient ramenés à la vie. Donc dans l'intervalle de sa mort, ou l'intervalle entre sa mort et sa résurrection, il s'est passé quelque chose. Et c'est à cause de ce qui s'est passé que ces personnes sont ressuscitées après la résurrection de Jésus. Parce que Jésus, lorsqu'il était mort, il est allé faire quelque chose dans le séjour des morts. C'est pourquoi je dis, c'est la parole qui donne la vie. Donc quand Jésus est mort, il est parti dans le séjour des morts, il est allé présenter la parole. Il allait prêcher l'évangile, en tout cas on va lire. Éphésiens 4,
le verset 9 et 1 Pierre 4, le verset 6. À partir du verset 8. Et tu me lis jusqu'au verset 10. Éphésiens 4, 8. Éphésiens 4, 9 et 10. Verset 8 à 10. Je lis au nom de Jésus. Oui. C'est pourquoi il est dit. C'est pourquoi il est dit. Étant monté en haut, il a amené des captifs. Oui. Et il a fait des dons aux hommes. Mm-hmm. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Que dit qu'il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Donc, quand il est mort, il faisait 3 jours. Il était dans les régions de la terre et il faisait quelque chose. Il avait une mission. Sa mort était aussi une mission qu'il devait aller accomplir. C'est là-bas qu'il est allé combattre contre le diable. Il a combattu contre le prince de la mort. Il a pris la clé de l'enfer. Il a fermé l'enfer pour ses enfants. C'est pourquoi il dit, sur toi, je bâtirai mon église. Tu es Pierre et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre toi. Continue. Celui qui est descendu, oui. C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Celui qui est descendu et qui a mené quoi? Les captifs. C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. C'est bon. Donc quand il est descendu en bas, il est allé dans le séjour des morts. Il est allé dans les régions inférieures. Parce que sous la terre, il y a des prisons. Il y a des régions qui sont ténébreuses sous la terre. Donc quand Jésus est mort, il est allé là-bas pour aller enseigner, pour aller prêcher la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ces morts n'avaient pas entendu la voix de Dieu, la bonne nouvelle, la vérité. Lorsque Siméon avait vu Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il remercia Dieu et dit, j'ai vu ton salut. Donc tous les autres n'avaient pas vu le salut de Dieu. Esaïe n'avait pas vu le salut de Dieu. Élie n'avait pas vu le salut de Dieu. Moïse n'avait pas vu le salut de Dieu. Tous les saints n'avaient pas vu le salut de Dieu. Dans 1 Pierre 1, le verset 10, on nous montre que les anciens, les prophètes ont fait du salut l'objet de leur investigation, l'objet de leur recherche, parce qu'ils sondaient les époques et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Donc ils ont l'Esprit qui était en eux, mais ils ne connaissaient pas le Christ, ils ne l'ont pas vu. Ils ont l'Esprit, ils ont marché avec l'Esprit, l'Esprit les a visités, ils ont opéré des miracles par l'Esprit, ils ont donné des prophéties par l'Esprit, mais sous une autre dispensation, sous la première dispensation qui était donnée par Moïse. Donc pour cela, ils n'avaient pas accès à Dieu réellement, mais c'était l'Esprit qui était en eux qui annonçait les choses. Donc quand ceux-là sont morts, parce qu'ils n'ont pas vu le salut de Dieu, ils ont été captés par les liens de la mort. Ils ont été maintenus dans les liens de la mort. La mort les enchaînait, la mort les gardait captifs. Ils n'avaient pas de délivrance. Mais lorsque Jésus est mort, il est descendu dans les régions et c'est là-bas qu'il est allé leur prêcher la bonne nouvelle. Prêcher la parole pour qu'ils soient libérés. Il dit dans Jean 3, 13, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ces personnes qui ont été ressuscitées par Jésus nous montre déjà qu'il s'est passé quelque chose de surnaturel. Leur résurrection nous montre que ce n'est pas naturel ce qui est arrivé. Et que Dieu a accompli quelque chose de sublime. On peut même voir l'intention ou le sentiment qui traverse ceux de cette époque qui voyaient des morts ressuscités. C'était, vont voir même leurs grands-parents ressuscités sans le reconnaître. Maintenant, la question qui est suscitée, c'est celle-ci. Est-ce que ces personnes ont été ressuscitées avec le corps glorifié? Est-ce qu'ils ont été ressuscités avec le corps glorieux? Ça, c'est une grande question. Est-ce que quelqu'un veut répondre à la question? Est-ce que ces personnes
ont été ressuscités avec le corps glorieux. Vous voulez répondre? D'accord, allez-y. Ok, selon l'enseignement de mardi, je dis que ces personnes ont été ressuscitées avec leur âme. Mm-hmm. C'est l'âme qui était ressuscitée. Mm-hmm. Parce qu'ils attendent tous l'enlèvement mm-hmm. où Dieu va rendre tous les saints esprits. Mm-hmm. Donc je veux qu'ils ont été ressuscités avec leur âme. D'accord. Mm-hmm. Ça, c'est votre compréhension des choses. Mais ce n'est pas réellement ça. Ces personnes ont été ressuscitées et on dit qu'ils ont été dans la ville pour un temps. En effet, le Seigneur avait besoin d'accomplir cela pour donner pour accréditer ou pour confirmer l'œuvre que Jésus avait accomplie. Et pour confirmer les prophéties que tous les prophètes ont donné. Donc ces personnes n'avaient pas reçu des corps glorifiés. Parce que si ces personnes ont reçu des corps glorifiés, alors la doctrine qui dit que les morts ne ressusciteront pas est une vraie doctrine. Parce que la résurrection des morts est la glorification du corps du péché qui était déjà mort. Et le renouvellement de l'esprit qui sera révélé. Donc, nous sommes renouvelés intérieurement. C'est de ça qu'on a parlé hier. Notre esprit est ressuscité, mais ça ne se voit pas encore. Or, la dernière résurrection, c'est que notre esprit qui était ressuscité se fasse voir, mais dans un corps glorifié. Un corps qui n'est pas du corps de la chair. Mais ces personnes, le Seigneur a permis qu'ils reviennent à la vie. Mais ils ne sont pas glorifiés. Pourquoi? Parce que personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. S'ils sont glorifiés, alors ils sont déjà dans le ciel. Or, c'est à la résurrection des morts que nous entrerons tous au ciel. Ou à l'enlèvement, lorsque Jésus reviendra pour prendre et chercher son Église, que nous tous, nous irons maintenant au ciel pour habiter avec Dieu, parce que nous irons avec notre corps. Donc, juste maintenant où nous parlons, Jésus est le seul, ou le seul homme, la seule personne, avec son corps glorifié dans le ciel. Tous sont morts. Tous les vivants sont morts jusqu'à nos jours. Et nous aussi, si le Seigneur ne revient pas, nous allons aussi mourir. Mais le plus important, c'est de mourir en Jésus. C'est de mourir en lui. Si tu meurs en lui, tu as l'espérance que Jésus ramènera aussi à la vie ton corps qui est mort. Parce que déjà, tu as reçu la vie pendant que tu étais sur la terre. C'est à cause de ce corps que nous avons que nous sommes toujours, que la mort nous domine toujours et nous dominera. Parce que nous avons un corps de chair qui est avec nous, qui est destiné à la poussière, qui est destiné à la mort. Ce corps va partir. Et ce sera un passage de ce corps à l'autre corps que nous avons reçu en esprit. Donc, à la résurrection de ces personnes, ils ont reçu un corps. Cela était juste une manifestation glorieuse, une manifestation prodigieuse que le Seigneur avait permis pour prouver et pour confirmer que Jésus était celui qui ramènera tous les morts à la vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc il est bien mentionné que les corps sont sortis des sépulcres pour envahir la ville après la résurrection de Jésus. Mais il n'a pas été dit qu'ils ont été changés ou que leurs corps ont été glorifiés. Ces saints ont reçu une faveur de Dieu, une grâce immense du Seigneur pour vivre encore pour un temps. Puisque l'évangile n'est pas pour les morts. Il a fallu que les morts qui l'ont entendu et accepté soient ramenés à la vie afin de participer à la nouvelle vie.
en Christ. Parce qu'ils étaient morts sans Christ. Et maintenant qu'ils reçoivent son évangile, Dieu, par son amour et par la démonstration de sa puissance, les ramènera aussi à la vie pour leur permettre de vivre une nouvelle vie. Nous ne pouvons pas dire que ces saints ressuscités sont montés au ciel. Si on le dit, on est en train de contredire beaucoup d'éléments de la doctrine du Seigneur Jésus. Car Jésus est le seul à avoir franchi les barrières spirituelles et qui a pu traverser les cieux à cause de son autorité, de sa victoire sur la mort et pas la mort de la croix. Nous avons lu un texte sur lequel, on a déjà lu ça, le texte sur lequel beaucoup s'appuient pour dire qu'il n'y aura pas de résurrection des morts, c'est Matthieu 27. Lisez-moi 2 Timothée 1, 2 Timothée 2, 17, 2 Timothée 2, 18. Nous allons voir ceux-là qui ont été les gardiens de cette doctrine, qui l'ont enseigné au temps de Corinthiens. Des Corinthiens. 2 Timothée, chapitre 2, verset 17 à 18, le nom de Jésus. De ces noms sont immédiats et célèbres, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Donc il y a beaucoup qui enseignent déjà que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Il y a une autre doctrine qui demande à ce qu'on se baptise pour les morts, pour que les morts reviennent à la vie. Parce que tout le monde croit, Dieu a fait l'homme pour que l'homme croit en lui, qu'un jour les morts reviendront à la vie. Donc cette doctrine stipule qu'il faut te baptiser pour ton père qui est mort, qui ne connaît pas Jésus, qui n'a pas été sauvé. Il faut que tu te baptises pour lui. Donc, lorsque tu vas mourir après, c'est comme une garantie que ce père ou bien ton père aussi reviendra à la vie. Donc, c'est un concept pour nous montrer en réalité qu'il y a une résurrection de tous les morts qui viendra, qui est devant dans le futur, qui va se manifester. Donc, si les gens ont été intelligents de se faire baptiser, même pour les morts, alors cela nous montre que la résurrection des morts n'est pas une fausse doctrine, mais que c'est la vérité, que c'est en Jésus que cette résurrection est importante. Donc, Éminée et Philète ont annoncé, ont prêché et enseigné que les morts ne ressusciteront pas. Ils ont créé des troubles dans l'Église parce qu'ils s'appuient sur Matthieu 27 en disant que les morts sont déjà ressuscités et que les morts ne ressusciteront pas. Or, nous croyons à la résurrection des morts. Nous croyons que Dieu donnera vie à notre corps qui est déjà mort et qui n'a pas de vie. Alléluia. Nous allons lire le livre de Philippiens 3:10 et voir ce que nous apporte la résurrection du Seigneur Jésus. La résurrection de Jésus. Philippiens chapitre 3, verset 10, sur le nom de Jésus. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. S'il te plaît, attends. Est-ce que vous avez compris quel était le type de résurrection de ceux qui ont été ressuscités dans Matthieu 27? Est-ce que vous avez compris? C'était quel type de résurrection? C'était lui, Joseph. C'était une résurrection semblable à celle de Lazare. Très bien. Très bien. C'est une résurrection semblable à la résurrection de Lazare. Ils ont ressuscité, c'est vrai, Dieu a ressuscité le corps. Donc c'est une résurrection comme aussi un miracle que Jésus avait accompli après sa mort. Mais nous n'avons aucun test biblique ou même aucun test qui va nous prouver qu'ils sont ressuscités et voilà, ils sont entrés au ciel avec Jésus. Non. Parce que tous ces morts
sont ressuscités, sont ramenés à la vie dans le corps. Parce qu'ils n'avaient pas la connaissance de l'évangile. Il y a certains qui disent aussi que c'est parce qu'ils ont été ressuscités que Moïse et Élie peuvent apparaître à Jésus lorsque Jésus priait. Pourquoi? Parce qu'il y a des saints qui ont déjà réveillé le corps glorieux. Qui a déjà entendu ça? Qui a des saints, voilà, qui ont réveillé le corps glorieux. Or, Moïse et Élie, qui sont venus parler à Jésus, ne l'ont pas fait après la résurrection de Jésus. N'est-ce pas? Ils ont parlé à Jésus pendant que Jésus n'était pas encore mort, pendant que Jésus était vivant. Donc ça veut dire quoi? Dieu avait juste permis cela. C'est ce qu'on appelle la transfiguration. C'est pas que ces personnes ont été glorifiées déjà dans leur corps. Non. Mais parce que ces personnes représentaient des dispensations, représentaient des éléments très importants pour que Jésus puisse comprendre le message que l'Esprit lui donnait. Dieu les a pris comme représentants pour lui annoncer quelque chose. Dieu pouvait lui dire, tu vas mourir ici, tu vas faire telle œuvre. Mais quand Dieu utilise Moïse et Élie, il était en train de lui remettre toute la loi. Moïse était en train de lui donner la loi pour qu'il annonce une nouvelle dispensation. Et Élie, qui représente les prophètes, était en train de dire à Jésus, tu es maintenant le seul prophète que le monde doit suivre. Donc Moïse, amen. Moïse vient faire quoi? Moïse vient transmettre le sacerdoce à Jésus. Donc il vient lui donner le sacerdoce, je te donne. Parce que l'homme avait donné. Et comme Jésus n'était pas au temps où Moïse devait mourir, et que c'est Jésus que Dieu a annoncé, quoique Moïse soit mort, Dieu ramène Moïse pour lui remettre cela. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées qu'on n'a pas écrit même à la transfiguration, parce que Dieu n'a pas permis que le message soit donné. C'est pourquoi Jésus dit à Pierre de ne dire à personne ce qu'ils ont vu. Parce que s'ils vont dire, les Juifs vont croire à l'évangile. Or, il ne faut pas qu'ils voient pour croire, mais qu'ils entendent juste la parole de Dieu pour croire. Parce que Jésus dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Donc Moïse et Élie représentaient les prophètes. Donc quand Élie parle, Élie apparaît, Dieu était en train de monter à Jésus ou de dire à Jésus, maintenant tu es le seul prophète. C'est pourquoi les Hébreux dit, Dieu avait parlé par les prophètes, mais maintenant il nous parle par le Fils de son amour. Donc cela ne veut pas dire que voilà, les morts ont déjà reçu, quelques anciens ont reçu leur corps glorifié ou bien ils ont été glorifiés. Je vais ouvrir une parenthèse là pour vous dire quelque chose. Il y a certaines personnes parmi vous à qui Dieu a donné des tâches ou des missions spécifiques à accomplir sur la terre. Et ces missions ont été déjà accomplies par un enfant de Dieu dans le passé, ou par un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, que vous ne connaissez peut-être pas, ou même que vous connaissez. Mais qu'est-ce que le Seigneur va faire? Parce que le Seigneur vous donne le message et que vous ne comprenez pas, Dieu t'a appelé, tu ne comprends pas, il va te monter soit dans un songe ou dans une vision, pendant une prière ou même pendant que tu ne priais pas. Il va te montrer cet homme de Dieu ou cette personne dont la mission est semblable à la mission qu'il te confie. Cette personne viendra t'enseigner dans le songe ou viendra te parler ou viendra s'adresser à toi. Beaucoup ont vu ça et ont cru que ce sont les esprits de mort qui les ont parlé. Élie était mort, oui. Moïse aussi était mort. Il y a aussi quelque chose qu'il faut comprendre. Élie a été transporté par le char de Tibillon. Et lorsqu'il a été transporté, Élisée l'avait accompagné. Et beaucoup pensent aussi que comme Élie avait été transporté, qu'il est parti au ciel directement. C'est pas ça? Non, Élie n'est pas parti au ciel. Élie a été transporté. On dit qu'il y a plusieurs cieux. Nous savons qu'il y a très bien plusieurs cieux, il n'y a pas un seul ciel. Donc quand on dit plusieurs cieux, on peut nous montrer le ciel que nous voyons ici et d'autres cieux. Élie avait juste été transporté pour une autre mission qui n'a pas été révélée ici dans l'Écriture. Et c'est pourquoi il avait laissé son manteau à Élisée. Élisée a continué ce qu'il devait faire en ce temps-là.
Donc Élie après est mort. Élie est mort après. Parce que Jésus, dans Jean 3:13, dit que personne n'est monté au ciel. On dit que Élie a été amené au ciel. Où est qu'Élie est parti? Élie n'était pas parti au ciel ou bien dans le ciel de Dieu. Non. Mais Élie a été transporté sur des chars dans un autre milieu, dans un autre endroit pour accomplir une mission pour Dieu. Comme Philippe avait été aussi transporté dans Acte 8. Philippe a été transporté, n'est-ce pas? C'est la même chose qui était arrivée à Élie. Seulement que pour Élie, il était visible et les chars sont venus le prendre. Philippe, lui, il a disparu. Jésus, lui, il a été transporté. Mais Jésus était le seul parmi toutes ces personnes à entrer au ciel. C'est pour dire qu'il a traversé les cieux. Il est entré dans le grand temple de Dieu. Il est le seul. Personne ne pouvait le dénoncer. Personne ne pouvait entrer. C'est lui qui est monté au ciel. C'est lui qui est encore descendu. Et c'est lui qui est dans le ciel. Donc celui qui est dans le ciel, qui est l'homme, qui a la partie humaine et aussi la partie divine, ou bien qui a la substance humaine et divine, c'est Jésus. Amen. Donc Jésus est le seul homme qui est dans les cieux actuellement, qui habite réellement dans les cieux. C'est que vous me demandez, ceux qui sont morts en Jésus, où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont au ciel? Ils ne sont pas encore dans le ciel de Dieu. Parce que c'est après la résurrection que nous entrerons dans le ciel. Mais maintenant, ceux qui sont morts ne sont pas encore au ciel. Ils sont dans le repos quelque part où Dieu est en train de les consoler. Et où le Seigneur est en train de les consoler, qu'on appelle le paradis. Mais ils ne sont pas dans le ciel. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Donc ça, c'est une parenthèse qu'il faut vraiment retenir. Parce que ça va nous aider à poursuivre notre enseignement. Que nous apporte la résurrection de Jésus? Philippiens 3, 10. Philippiens chapitre 3, verset 10, selon le nom de Jésus. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, et devenant conforme à lui dans sa mort, pour lui parler. Devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir à quoi? Si je puis à la résurrection d'entre les morts. C'est le dernier verset, c'est ça? Oui. Le dernier verset de Philippiens 3. Non. Il a dit pour parvenir à quoi? Pour parvenir, verset 11, si je puis à la résurrection d'entre les morts. Bon, on va reprendre ça. Reprends le verset 10 là. Philippiens chapitre 3, verset 10. Oui. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ok, pour parvenir à la résurrection d'entre les morts, si je puis. Très bien. Pour parvenir, si je puis, à la résurrection des morts. La résurrection des morts est la preuve que nous avons participé aux souffrances du Seigneur Jésus. C'est pourquoi Paul dit que si tu n'as pas été, ceux qui veulent vivre pieusement en Christ doivent être obligatoirement persécutés. Et ces persécutions sont les souffrances de Christ auxquelles nous participons. Et ces souffrances de Christ étant en nous ajoutent ou nous permettent d'avoir une assurance auprès de Dieu que lui, nous avons souffert avec Jésus, c'est-à-dire nous sommes morts avec Jésus et nous ressusciterons aussi avec Jésus parce que Jésus est mort par la souffrance, il est ressuscité par la gloire de Dieu. Nous aussi, nous allons mourir par la souffrance en son nom et ressusciter par la gloire de Dieu. Alléluia. Tu vas me lire Romains 6, verset 5 et Romains 8, 11. Romains chapitre 6, verset 5, Dieu Jésus. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité.
sa résurrection. Si nous sommes une même preuve avec lui par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection. Donc si nous ne sommes pas morts avec lui, nous ne ressusciterons pas aussi avec lui. C'est pourquoi les souffrances que vous avez, les épreuves, les persécutions ou les tribulations que vous avez ne sont pas en réalité là pour vous empêcher d'être sauvés, mais sont là pour vous permettre en réalité d'avoir l'assurance de votre salut auprès de Dieu. Le fait qu'on te persécute, le fait que tu es toujours dans les tribulations, ou le fait qu'on t'insulte à cause de Jésus, ou que tu es éprouvé, c'est une preuve pour toi. Une preuve tangible que Dieu te donne pour te dire, voilà, ça c'est un ticket que tu es sauvé. Parce que Jésus a été persécuté. Jésus a été aussi outragé. Il dit, s'ils ont persécuté le maître, ils le feront aussi aux disciples. Parce que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Donc le maître a été persécuté et la persécution l'a amené à la mort. Les disciples aussi seront persécutés dans leur corps. Mais ils vivront parce que le maître aussi vit. Si le maître est mort, les disciples sont morts, seront morts. Si le maître a souffert, les disciples aussi souffriront. Et si le maître vit, les disciples aussi vivront. Oui? Sachant que notre meilleur... Non, j'ai dit Romains 8, 11. Romains 6, verset 11, le nom de Jésus. 8, 11. Verset 11, le nom de Jésus. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Voilà pourquoi nous devons opter pour que l'Esprit de Dieu habite en nous. Quand on dit que notre corps est le temple de Dieu, on dit dans 1 Corinthiens 3, 16, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. On est en train de nous dire que notre corps spirituel est le temple de Dieu où l'Esprit de Dieu habite. Et si quelqu'un détruit le temple de Dieu, où Dieu habite dans son esprit, Dieu le détruira. Parce que nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Donc c'est dans l'esprit de l'homme que Dieu veut siéger. Pourquoi? Parce que l'esprit est le domaine le plus important où que Dieu veut prendre, où Dieu veut agir, que Dieu veut transformer. Et le corps ne peut pas contenir Dieu, parce que Dieu est tellement grand, Dieu est vaste. Voilà pourquoi quand tu pries, tu sens sur ton corps comme s'il y a une pression. Ton corps n'arrive pas à supporter parce que la présence de Dieu est là, parce que l'Esprit de Dieu est là. Dieu est comme un feu dévorant. Il peut se manifester chez toi comme un feu dévorant. Il peut aussi se manifester chez l'autre différemment parce qu'il a diverses manifestations. Mais lorsqu'il est dans notre esprit peut le contenir. Parce que nous avons été faits par son souffle, nous avons été faits par son esprit. Donc s'il est réellement dans notre esprit, notre corps aussi va en bénéficier. Gloire à Jésus. Alléluia. Que se passera-t-il à la résurrection des morts? Ça, c'est une grande question et un mystère. Nous allons commencer à répondre à cette question. Toutes les questions que j'ai liées, que se passera-t-il à la résurrection des morts? La destination du corps, de l'âme, de l'esprit. La question sur... j'ai posé 4 ou 5 questions maintenant. 5. J'ai posé la question sur la résurrection des morts sera-t-elle simultanée ou consécutive?
Et en tout cas, on va voir les questions. Les 5 questions que j'ai posées vont être répondues dans ce développement que nous allons faire. Alléluia. Éphésiens 5, verset 14. Il y a une parole puissante là qui va nous pousser à déboucher sur la réponse de toutes les questions que j'ai posées. J'ai posé aussi la question si les injustes aussi ressusciteront et aussi si les saints seront jugés. Voilà, c'est les deux autres questions qui restaient. Voilà. Éphésiens chapitre 5, verset 14, j'ai lu au nom de Jésus. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi à toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ éclairera. Il dit, réveille-toi d'entre les morts, réveille-toi toi qui dors et Christ t'éclairera. Hier, on a vu qu'il s'agit d'abord du sommeil de l'esprit de l'homme, où il faut que l'esprit de l'homme se réveille pour que Christ l'éclaire. Mais c'est aussi une parole prophétique qui annonce la résurrection des saints. La résurrection de ceux qui sont morts en Christ. C'est pourquoi il dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi dans les morts et Christ t'éclairera. Donc Christ donnera la vie à ton corps qui est mort. Donc à la résurrection, les saints, c'est-à-dire ceux qui ont marché avec Christ, ceux qui ont marché dans la foi en Jésus, seront ramenés à la vie par Dieu. Ils reviendront à la vie parce que leur mort signifie qu'ils sont dans le sommeil, qu'ils sont en train de dormir. Dieu a toujours représenté la mort comme un sommeil parce qu'il y a la résurrection. Quand nous dormons, nous nous réveillons aussi. Donc les morts dorment actuellement et ils seront aussi réveillés. Mais le temps entre la mort et le réveil qui est la résurrection n'est pas semblable au temps entre nous, notre sommeil terrestre et notre temps de réveil. Pourquoi? Parce que c'est deux réalités qui sont différentes. Tu peux dormir ici, c'est un temps de réveil. Mais lorsque tu meurs, tu peux passer des milliers d'années avant de revenir à la vie. Mais Dieu considère toujours cela comme un sommeil. Parce que la mort, c'est un passe-temps. C'est un sommeil. Alléluia. De même, écoutez ceci, de même que l'évangile a été annoncé aux morts, quand à la chair, c'est-à-dire ceux qui vivent portant le corps dans ce monde, Christ est allé annoncer l'évangile dans les régions inférieures de la terre aux morts pour leur donner la vie par l'évangile, afin qu'ils reviennent aussi, ils soient ressuscités. Donc, le réveil dont parle Éphésiens 5, 14, où il dit réveille-toi dans tes morts, concerne deux individus ou deux personnes. Ça concerne d'abord les saints qui ont écouté l'évangile, qui ont cru à l'évangile, et concerne les injustes qui n'ont pas aussi écouté l'évangile. On dit réveille-toi dans les morts et Christ éclairera. Il y a une partie qui va se réveiller pour être éclairée et il y a une autre partie qui va se réveiller pour ne pas être éclairé. 1 Pierre 4, 6 nous dit ceci. Car l'évangile a été annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. L'évangile a été annoncé aux morts pour qu'ils soient jugés comme des hommes quant à la chair. C'est-à-dire qu'ils reviennent à la vie pour être maintenant jugés comme des hommes, pour vivre comme des hommes selon l'Esprit de Dieu. Donc je viens de le dire, le réveil concerne les vivants et le réveil concerne les morts. Les vivants seront réveillés par Dieu et les morts aussi
seront réveillés par Dieu. Le réveil des morts en Christ et des morts sans Christ. Nous allons voir plutôt le réveil des morts en Christ et le réveil des morts sans Christ. Puisque les morts entendront la voix du Fils de Dieu aussi bien que les vivants, ils seront tous ramenés à la vie. Quand le Fils de Dieu va parler, il va ordonner, tous les morts reviendront à la vie. Les justes reviendront à la vie. Les injustes aussi reviendront à la vie. Ils ressusciteront, mais avec des corps différents. Et c'est ce que nous allons voir. Jésus dit dans Jean 5, verset, lisez-moi, Jean 5, verset 5. Jean chapitre 5, verset 25, je lis au nom de Jésus. Oui. En vérité, je vous le dis, leur réel est déjà venu, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Leur réel, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. De même que Lazare a entendu la voix du Fils de Dieu et les ramené à la vie. Tous les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Premièrement, une catégorie, et deuxièmement, une autre catégorie. D'où la catégorie des morts qui sont morts dans le Seigneur, que nous allons voir maintenant. Nous allons parler de la seconde mort qui va concerner ceux qui vont mourir ou bien qui sont morts sans le Seigneur, qui entendront la voix du Seigneur, qui reviendront à la vie, mais pas pour la vie. Ils reviendront à la vie, mais pour l'opprobre. Cela est bien expliqué dans le livre de Daniel, à partir du verset 1. Lisez-moi le livre de Daniel. Daniel, à partir du premier verset. Daniel, chapitre 1, je lis au nom de Jésus. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta. J'ai dit contre quoi? J'ai dit 12, non? Je voulais dire Daniel 12. C'est 12. Daniel chapitre 12, à partir du verset 1, je lis au nom de Jésus. En ce moment-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, tel qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, c'est le ton peuple qui sera inscrit dans le livre, sera sauvé. Plusieurs de ceux qui tombent dans la poussière de la terre. Et en ce temps, ceux de ton peuple qui seront trouvés dans le livre seront sauvés. Ceux qui seront trouvés dans le livre seront sauvés. De même que cela est écrit dans l'Apocalypse, ceux dont les noms seront inscrits ou bien ont été inscrits dans le livre de vie. Dans Apocalypse 21, 27. Il n'entrera chez elle aucune chose souillée, mais il entrera ceux dont les noms ont été écrits dans le livre de vie dès la fondation du monde. Donc ceux dont les noms sont écrits, c'est eux qui seront sauvés. Maintenant, après ça, il y aura quoi? Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle. Vas-y, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. On dit dorment. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, reviendront à la vie. Mais les uns pour les uns pour la vie éternelle. Pour la vie éternelle et les autres. Et les autres pour le propre. Les autres.
éternelle. Pour la mort éternelle. La honte éternelle. Donc certains vont se relever pour la vie éternelle et d'autres vont aussi être relevés pour la honte éternelle. Et c'est pourquoi je vais vous dire ceci, que les saints qui seront ressuscités ne seront pas jugés ou ne passeront pas par le jugement de Dieu. Ceux que Dieu jugera, ce sont les injustes qui ressusciteront pour le pauvre. Quand on dit que tous nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ pour que chacun rende compte, en réalité, ça ne veut pas dire que tous les justes ou ceux qui ont été sauvés vont comparaître comme ça devant Christ pour que Christ commence à les condamner ou à les juger. Non, ce n'est pas ça. D'abord, ça se passe dans le cœur ou dans l'esprit de l'homme. C'est un jugement intérieur qui nous montre, qui nous rend dignes d'être du salut que nous avons reçu. Un jugement par la parole de Dieu que nous avons reçu. Parce que la parole juge tout. Et on dit que l'homme spirituel, dans 1 Corinthiens 2,14, naît, il juge de tout, mais il n'est jugé par personne. Donc l'homme spirituel ne connaîtra pas de jugement. C'est l'homme charnel qui connaîtra le jugement. Donc nous les saints qui ont été sauvés par Jésus, nous ne passerons pas par le jugement de Dieu. Mais ce sont les injustes qui seront jugés. Pourquoi? À la résurrection, nous serons changés en même temps. Et nous, ceux qui sont vivants seront changés. Ceux qui sont morts dans le Seigneur reviendront à la vie, ressusciteront pour monter avec le Seigneur. Cela se trouve dans 1 Thessaloniciens 4, 16-17. Lisez-moi ça. 1 Thessaloniciens 4, 16-17. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 à 17. Chers de recherche. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dénoncerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, descendra du ciel, ressort de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront. Et les morts en Christ ressusciteront. C'est de ça Daniel est en train de parler. Les morts en Christ ressusciteront. Hein? Et d'abord, il a parlé, avant cela, il a parlé de quoi? Il a parlé de Michael le défenseur, n'est-ce pas? Combien il n'a pas parlé de ça? Il a parlé de Michael le défenseur. En été, ce Michael le défenseur dont il parlait, c'était le Seigneur lui-même. Daniel voit souvent plutôt l'ange de l'Éternel est souvent représenté par le Seigneur dans certains cas. Et quand on parle de Michael, Michael joue quel rôle dans le récit de Daniel? C'est un rôle de défendre, c'est un rôle de sauver, c'est un rôle du salut. Donc quand on dit ici que Michael, le défenseur de ton peuple, se lèvera, et en ce temps, le nom de ceux de ton peuple qui sont écrits ou inscrits dans le livre seront sauvés, on est en train de dire que le Seigneur, le jour que le Seigneur reviendra, ceux dont les noms ont été inscrits ou sont écrits seront sauvés. Est-ce que vous comprenez? À la voix d'un archange, à la voix d'un archange, descendra la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est ça qu'il faut comprendre. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc la résurrection n'est pas simultanée, mais elle est consécutive. Les morts en Christ seront les premiers à ressusciter. Maintenant, l'imagination que vous faites souvent, ou que plusieurs se font, où on dit au jour du jugement, les justes seront à droite et les injustes seront à gauche. Et Dieu va dire, toi, parce que tu as fait ça, va en enfer. Toi, parce que tu as fait du bien, va au ciel. Souvent, c'est ce que beaucoup pensent, non? Ou bien, les choses ne vont pas se passer de cette manière. Non. Les choses vont se passer dans un processus. Les saints qui ont été déjà jugés parce que nous avons été éprouvés par le feu. Dans Pierre 1,7, on nous dit que notre foi a été éprouvée. C'est ce jugement qu'on est en train de dire. Nous avons été déjà jugés, dignes. Et le Saint-Esprit nous a dit à témoin que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. Donc le Saint-Esprit en nous
nous juge tout le temps par l'observation de la parole de Dieu. Donc ce n'est pas un jugement où on va se trouver devant le trône de Dieu pour être jugé. Non, nous avons surpassé tout jugement. C'est pourquoi tu dois tout faire. Lorsque tu es sur la terre ici, vis dans la vérité, vis dans la sainteté. Si tu vis dans la sainteté et dans la vérité, tu surpasses tout jugement. C'est pourquoi on dit que l'amour et la miséricorde triomphent du jugement. Donc ceux qui ont eu part à la miséricorde de Dieu, qui ont compris la miséricorde de Dieu, ils ont surpassé le jugement. Donc c'est ceux qui n'ont pas eu part à la miséricorde ni à l'amour de Dieu qui seront jugés par Dieu. C'est ceux-là que Dieu jugera. Et c'est ceux-là, c'est à ceux-là que Dieu va présenter leur mauvaise œuvre. Parce que nous, nos bonnes œuvres dans le Seigneur, nous suivrons en même temps. Donc les morts seront en Christ, seront ressuscités premièrement. Hein? Ensuite, nous les vivrons. Nous les vivons toujours dans le Seigneur. Oui. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuits. Donc nous les vivons aussi seront tous enlevés avec les morts qui étaient en Christ sur des nuits. Et ainsi, nous serons avec le Seigneur à la rencontre du Seigneur dans les airs. Oui. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, c'est en ce moment que le voile du corps, de ce corps charnel, de ce corps terrestre, sera détruit. Et nous serons maintenant avec le Seigneur pour toujours. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer au niveau de du corps de l'homme, de l'âme et de l'esprit? Cela est bien expliqué et on avait déjà commencé. Mais j'ai vu que beaucoup n'ont pas compris, c'est pourquoi je veux revenir sur cela. Lorsque le Seigneur, la trompette sonne, Paul dit quoi dans 1 Corinthiens 15:50? Il dit, je vous dis un mystère. D'abord, il dit, la chair et le sang n'héritera pas le royaume de Dieu. Parce que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Et la mort ne peut être immortelle. Donc, la corruptibilité demeure corruptibilité et l'incorruptibilité demeure incorruptibilité. Donc, lorsque la trompette de Dieu va sonner, puisque notre âme et notre corps représentent la chair, Dieu va changer. C'est un renouvellement, un changement. Nous qui serons vivants à l'enlèvement du Seigneur, nous serons changés. Lisez-moi le verset, c'est mieux. Lisez. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 50. Si le nom de Jésus. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Voilà. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Oui. Voici, je vous dis un mystère. Oui. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Nous serons changés. Qu'est-ce qui sera changé en nous? Qu'est-ce qui sera changé en nous? Puisque la chair, il vient de dire que la chair et le sang n'héritent pas. Donc ce qui veut changer en réalité, c'est quoi? C'est la chair et le sang qui va changer. C'est pourquoi je parle de destruction de la chair. C'est une destruction. C'est un changement. Ce changement viendra enlever la matière. Je ne vais pas parler de matière, mais le concept de la chair qui était en nous. Ce concept va disparaître. On ne sera plus chair. Mais on aura un corps céleste. Parce qu'il a parlé déjà vers le 45. Il dit que demain qu'il y a des corps terrestres, il y a des corps célestes. De même qu'il y a des corps spirituels, il y a aussi des corps charnels. Donc le corps terrestre va disparaître et va laisser place maintenant au corps céleste. Donc notre esprit étant déjà changé, de renouvelé en nous, nous portons déjà un corps spirituel. Donc le corps céleste va maintenant revêtir le corps spirituel. Avant on avait quoi? On avait le corps terrestre. Avec quoi? L'esprit renouvelé, nous les enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez? On avait, juste maintenant, on a le corps terrestre et l'esprit ressuscité, changé par Jésus. Par la foi en Jésus, par Dieu. Donc c'est les deux qu'on a. Mais à la résurrection, on aura l'esprit changé qui est en nous, notre esprit. Mais le corps céleste va s'ajouter maintenant au corps spirituel qu'on
qu'on avait qui était en nous, qui a été changé par Dieu. Donc ça veut dire quoi? Le corps céleste sera semblable à ce corps, cette matière que vous voyez. Mais c'est une construction qui n'est pas de la terre, qui ne peut pas être détruite. C'est une construction qui ne connaîtra pas de corruption, qui n'est pas éphémère, mais qui est éternelle. Ça veut dire quoi? Au ciel, le frère Joseph, on le verra, il aura le même visage de Joseph. Est-ce que vous comprenez? Mais ce visage de Joseph sera rajeuni et ne peut pas être corrompu. Les rides, les problèmes de douleurs, tout ça, ce corps ne connaîtra pas de douleur parce que c'est un corps qui a été conçu au ciel et qui va revêtir notre esprit qui est en nous. Mais la chair et le sang, c'est les deux qui seront ôtés. Et maintenant, le corps céleste viendra habiter en nous et viendra revêtir notre esprit qui a été révélé et changé par Dieu. Donc, à la résurrection, notre esprit sera le seul élément ajouté au nouveau corps que Dieu va nous créer. Qui est le corps céleste qu'il va ajouter à notre esprit qui avait été changé. Mais la chair et le sang vont être changés, vont être détruits, vont disparaître parce qu'ils n'existeront plus. Donc ceux-là, eux, ne connaîtront pas la mort. C'est pourquoi ils disent, nous tous, nous ne mourrons pas. Il y aura des gens vivants quand Jésus reviendra. Donc eux ne sauront même pas ce que la mort représente. Mais ceux qui ont connu la mort, qu'est-ce que Dieu fera? Dieu va faire habiter le corps céleste. Dans l'esprit qui était renouvelé, il va envoyer ça dans leur tombe et c'est là qu'ils vont sortir. Mais quand on les voit, on verra toujours la même personne, c'est le même visage. On saura que c'est lui, mais c'est un corps qui a été changé. C'est un corps qui n'est plus de la matière, mais qui est immatériel. Bon, est-ce que je dis immatériel? Non. Ce corps peut être vu. On peut voir ce corps. On peut même toucher ce corps. Mais ce corps est glorieux. C'est comme le corps que Jésus a porté à sa résurrection. Et il leur disait, est-ce qu'un esprit, a de corps? Parce que Jésus avait un corps. C'était un corps céleste. Donc quand eux voyaient le corps glorifié, ils croyaient que c'était un fantôme. Donc ils voulaient fuir le Seigneur. Mais il dit non, il avait mangé avec eux. Mais c'était un corps céleste qu'il avait porté. Mais qui pouvait aussi habiter parmi les hommes, qui pouvait toucher les choses. Donc nous allons porter le corps céleste et nous allons habiter sur la terre pendant 1000 ans avec Dieu, avec Jésus. C'est avec ce corps céleste que nous allons gagner avec le Seigneur sur la terre. Ce corps céleste peut habiter sur la terre, peut habiter au ciel, peut habiter dans n'importe quelle dimension parce que c'est un corps divin que nous allons porter. Ce ne sera plus un corps qui va nous limiter, mais un corps qui va nous permettre de faire tous les mouvements et de faire tout ce que nous voudrions faire. C'est le corps que nous allons porter à la résurrection. Alléluia. On a répondu à quelle question déjà? Oui? Oui? On a répondu à la question qui stipule que se passera-t-il à la résurrection? Et on a répondu aussi, est-ce qu'on a répondu à la question de la destination du corps, de l'esprit, de l'âme et de l'esprit? On a répondu aussi à ça. Ça, c'est à la résurrection. Ça, je n'ai pas dit après la mort. Pour après la mort, j'avais déjà répondu ça. À ça. Si on dit que deviendra l'âme après la mort, l'âme de l'homme ira purger ses peines. Ou ira au repos pour un temps. Le corps ira se reposer. Ou plutôt, l'âme ira se reposer pour celui qui est sauvé. Et Dieu va le calmer jusqu'à ce que les temps s'accomplissent pour que le jugement de Dieu vienne sur le monde et aussi pour que la résurrection arrive. Et en ce moment, le concept de l'âme et de toutes ces choses ne vont plus exister. C'est passager. Parce que l'âme est spirituelle, mais l'âme n'est pas éternelle. Or, l'esprit en nous est éternel. C'est pourquoi c'est l'esprit qui peut être en accord avec le corps céleste que nous allons porter. C'est pourquoi il dit, tel est le terrestre, tels sont les célestes. Tel est le céleste, tels seront aussi les célestes. Et Jean a dit quoi? Nous le connaîtrons. Tel qu'il est, tel nous sommes.
tel qu'il a porté le corps terrestre, nous aussi, nous avions pour porter le corps terrestre. Mais lorsqu'il s'est revêtu de son corps céleste, nous aussi, nous porterons le corps céleste. Ces corps sont comme des vêtements que nous portons et que nous allons porter. Et c'est l'esprit en dans ces corps qui est le plus important. Donc Dieu lui-même va former notre corps. Parce qu'au ciel, ce n'est pas ce corps. Au ciel, c'est un corps que Dieu nous donne. Mais ce corps est appelé le corps céleste. Donc c'est une autre matière. C'est conçu pour ne pas être détruit. C'est conçu pour ne pas être dénaturé. C'est conçu pour vivre éternellement. Donc là-bas, tu ne sauras même pas que le temps passe. Tu ne sauras même pas que tu vis et ton corps est un peu vieilli. Non. C'est comme un corps de jeunesse. Et ce corps reste jeune pour toujours. Ce corps ne vieillit pas. Ce corps ne se flétrit pas. Mais ce corps est un corps que Dieu lui-même a construit. C'est l'habitation de Dieu. C'est quoi? Il faut que de ton vivant, Dieu habite en toi. Là, tu pourras porter le corps céleste. Si la corruption habite dans ton esprit, Dieu ne te donnera jamais le corps céleste parce que tu vas suer le corps céleste. Et le corps céleste, c'est quoi? Qui va me dire encore ce que représente le corps céleste dans l'Apocalypse? Je vous fais une précision. Le corps céleste représente quoi dans l'Apocalypse? C'est bien dit dans l'Apocalypse, mais on n'a pas mentionné le corps céleste. Qui sait ça? Qui sait? Qui veut essayer? C'est pour tout le monde et même pour les hommes de Dieu. Qui veut essayer? Qui veut essayer? Ce corps. Joseph. Oui. Bon. Ce corps représente encore la robe blanche que nous allons porter. Gloire à Jésus! Acclamez le Seigneur pour sa vie! Alléluia! Ce corps représente la robe des noces que nous allons porter. Arrêtez qu'on parle de la robe, ce n'est pas que c'est un vêtement comme ça. Non, c'est un vêtement, c'est un corps qu'on nous revêtit, qu'on nous donne à porter. C'est pourquoi il nous rappelait, toutes les robes ne seront pas les mêmes. Est-ce que vous savez ça? Toutes les robes ne seront pas les mêmes. N'auront pas les mêmes éclats. Parce que nous n'avons pas servi le Seigneur de la même manière. Il y a certains qui brilleront comme le soleil, d'autres brilleront comme la lune. Il y aura diversité. Parce que nous avons eu de divers ministères sur la terre. Nous avons servi le Seigneur autrement. D'autres ont été des pasteurs. D'autres ont essuyé juste les bancs à l'église. D'autres ont été seulement là pour exhorter. Ça, c'est leur mission. D'autres ont été là seulement pour enseigner. D'autres ont été là pour guérir les malades. D'autres ont été là seulement pour aller évangéliser. Eux, Dieu ne fait pas de guérison avec eux, mais quand ils t'évangélisent, tu crois et tu es sauvé. Eux, Dieu a mis le pouvoir dans leurs paroles. Donc, nos robes porteront en réalité toutes nos œuvres et la marque du ministère ou de l'œuvre que nous avons accompli pour le Seigneur sur la terre. C'est pourquoi nous serons différents au ciel et c'est ça qui fera que nous serons identiques et uniques. Et au ciel, ce sera une joie pour nous de porter uniquement notre robe, de porter notre corps céleste que nous avons construit lorsque nous étions sur la terre. Donc pendant ton séjour terrestre, tu es en train de construire ce corps que tu vas porter, ce corps céleste. Tu es en train de le construire. Et au ciel, les anges de Dieu construisent ce corps. Ce corps a le même visage que toi. Ce corps a la même physionomie que toi. Mais ce n'est pas un corps de matière. C'est un corps que Dieu lui-même va créer, qui va te donner. Et dans Jean 14, 2, Jésus dit quoi? Il dit, vas-y, il dit, dans Jean 14, 2. Jean chapitre 14, verset 2. Oui. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Est-ce que vous comprenez? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Et si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit.
La maison du Père, c'est quoi? C'est le Seigneur lui-même, c'est le corps du Christ. Et dans le corps du Christ, il y a plusieurs demeures qui sont les corps de tous les saints qui se retrouvent dans le corps du Seigneur lui-même. Quand Jésus parle, ici, vous pouvez comprendre ça de plusieurs manières. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, vous pouvez comprendre, voilà, c'est une maison, on ouvre, c'est une chambre, on entre. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est une compréhension basique. C'est selon le texte basique, ce qui a été écrit. On peut dire, c'est par connaissance que vous le comprenez ici. Mais s'il faut révéler cette écriture, ce corps dont le Seigneur, plutôt cette maison de Dieu dont le Seigneur parle, c'est lui-même, c'est son corps. Et dans le corps du Christ, il y a aussi les corps de chaque saint qui sera sauvé. Donc dans la maison de mon Père, je vous ferai une maison. Cette maison, c'est le corps dont je vous ai parlé maintenant, qu'il ira construire au ciel, qu'il ira faire au ciel pour revenir, nous amener, pour que nous puissions habiter. Il dit, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus a porté quel corps? Il a porté le corps céleste à sa résurrection. C'est dans ce corps qu'il se trouve. Donc, à la résurrection, nous aussi, nous allons porter le même corps qui est un corps céleste. Est-ce que vous comprenez? Cela est bien défini dans d'autres versets. Dans 2 Corinthiens 5, on peut voir cela. Dans 2 Corinthiens 5, dans 2 Corinthiens 5, verset 1, Jésus a dit quoi? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Et il dit, je m'en vais vous construire cette maison. Ou bien, je m'en vais vous préparer une place. C'est comme une construction. N'est-ce pas? Je m'en vais préparer vous votre place. Chacun aura sa place de façon distinctive. Maintenant, nous allons comprendre dans 2 Corinthiens 5 ce dont il est en train de parler. Tu crois que c'est une maison qu'il va construire? Oui, c'est une maison pour une compréhension très simple. Mais en réalité, c'est un corps que tu vas revêtir, que tu vas porter, qui se trouve en Dieu. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1, sous le nom de Jésus. Oui. Nous savons en effet que cette tente où nous habitons sur la terre est détruite. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite. Reprends. Nous savons en effet oui. que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, oui. nous avons dans le ciel. On dit que nous habitons dans une tente. On est en train de comparer notre corps à une maison. Donc quand Jésus dit, il y a plusieurs maisons, plusieurs demeures dans la maison de mon Père, il est en train de dire, il y a plusieurs corps célestes. Plusieurs corps célestes que j'ai qui se trouvent dans la maison de mon Père. Il donne à ceux qui veulent. Mais moi, quand je vais partir, je vais vous préparer pour vous. Pour Pierre, je vais le préparer. Pour Jean, pour Jacques, pour Judith, pour Dorcas, pour Anne, pour Tabitha, je vais lui préparer. Pour Ruth, je vais lui préparer. Donc, je vais vous préparer toute cette maison pour que vous veniez aussi habiter. Continue, tu vas comprendre. Vous allez comprendre. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle. Une demeure éternelle. Qui n'a pas été faite de main d'homme. Qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente. Est-ce que c'est une maison? La tente dont il parle ici. Est-ce que c'est une maison où on dort? Non. Mais nous savons que quand on parle de tente, c'est comme les petites maisons que les militaires en guerre ou bon, les personnes qui habitent les montagnes, tout ça, c'est les maisons qu'ils font, qui peuvent être encore détruites en même temps, que la pluie ou le ravage peut détruire. Des petites constructions qu'on fait pour passer un temps, une nuit ou même quelques jours. Donc, ils comparent notre corps à une tente. Donc si la tente que nous habitons ici, c'est-à-dire le corps que nous habitons, qui est passager, qui est éphémère, est détruit, nous avons au ciel une demeure qui n'est pas faite de main d'or, qui est une demeure éternelle que nous pouvons habiter pour toujours.
cette demeure, ce n'est pas une chambre où nous allons habiter, mais c'est le nouveau corps céleste glorieux que nous allons recevoir. Que Dieu nous donnera. Et il n'a pas fini. Aussi nous gémissons dans cette tente. Oui. Mais cela va revêtir. Désirons faire quoi? Mais cela va revêtir. Désirons revêtir. Notre domicile céleste. Le domicile ici, c'est le corps céleste. Notre domicile céleste. Nous désirons revêtir. Revêtir notre domicile. Est-ce qu'on revêt une maison? Non. Est-ce que vous comprenez la parole de Dieu? Est-ce qu'on revêt une maison? Est-ce que je peux revêtir ce bâtiment? Je peux abriter ce bâtiment, abriter sous une maison, mais je ne peux pas revêtir une maison. On revêt un vêtement, on revêt un habit et on revêt une enveloppe. Donc, ou bien une robe ou bien même un manteau. Donc, on est en train de nous parler du domicile céleste qui sera notre corps que Jésus est allé préparer. C'est ça la place que Jésus veut préparer dans la maison du Père, dans la demeure céleste. Donc quand nous avons revêti cette place, personne ne peut nous l'enlever. Personne ne peut nous l'ôter. Parce que c'est une maison qui ne peut pas être détruite par les ravages terrestres. C'est pourquoi il dit, ne vous amassez pas des richesses sur la terre. Mais amassez-vous des richesses dans le royaume de Dieu où la terre, le dévoreur, le voleur ne peuvent agir, ne peuvent voler, ne peuvent détruire. Pourquoi? Lorsque tu reçois le corps céleste, c'est pour toute l'éternité. Rien ne peut t'enlever du corps céleste. Parce que c'est une couverture que Dieu a faite pour habiter, pour qu'on puisse l'habiter éternellement. Il n'a pas fini. C'est du moins, nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il explique bien. Si du moins, nous sommes trouvés vêtus. Vêtus par quoi? Vêtus par le Saint-Esprit. Si nous n'étions pas nus, ceux qui ont été trouvés nus vont porter le corps terrestre. Donc à la résurrection, certains porteront le corps terrestre pendant que d'autres porteront le corps terrestre. Céleste et terrestre. Donc quand ils vont porter le corps terrestre, c'est pourquoi ceux qui sont morts, malades, sans Jésus, ils reviendront à la vie avec leur maladie. Celui qui est mort avec l'ABC, sans Jésus, à la résurrection, quand il reviendra, l'ABC sera toujours dans son corps. Mais il ne mourra plus, mais il va souffrir avec cette maladie pour l'éternité. Mais celui qui est mort en Jésus, dans l'AVC, quand il reviendra à la vie, il ne connaîtra plus d'AVC. Parce que l'AVC va disparaître. Parce que c'est un corps céleste et incorruptible. Et il dit encore quoi? Car tandis que nous sommes dans cet temps, oui, nous gémissons. Nous gémissons. Accablés. Parce que nous voulons, oui, non pas nous dépouiller, oui, mais nous revêtir. Nous voulons nous revêtir, oui. Afin que ce qui est mortel, oui, soit englouti par la vie. Afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Dis à ton frère, tiens son corps, tiens son corps, tiens son corps, tiens son corps. Dis-lui ceci. Ce qui est mortel, par la foi en Jésus, sera englouti par la vie. Ton corps mortel, un jour arrive où il sera englouti par la vie de Christ. Amen. Quand on dit sera englouti par la vie, c'est qu'il sera englouti par la maison, la demeure céleste. Parce que nous sommes des corps qui allons habiter dans le corps de Dieu. C'est ce qu'on appelle le corps de Christ. Il y a plusieurs corps qui sont dans le corps de Christ. Donc au ciel, nous serons tous des corps que Dieu a pris le soin de tisser, de travailler. De même qu'il a formé Adam et Ève. Il a formé Adam. Il a aussi formé la femme. Il a tiré de Adam. Il va nous former avec un corps céleste. Ce n'est pas un corps terrestre, mais c'est un corps que Dieu lui-même aura le soin de faire. Je ne sais pas à quoi va ressembler ce corps, mais ce sera un corps éclatant, un corps lumineux, un corps vêtu de gloire, un corps qui sera semblable et identique au corps de notre Seigneur Jésus, le corps qu'il a porté à sa résurrection. Donc Dieu lui-même va tisser ce corps, il va travailler ce corps. C'est pourquoi toi qui prie,
demeure toujours dans la prière. Amen. Toi qui sais le Seigneur, sais toujours le Seigneur. Amen. Toi qui souffres pour le Seigneur, ne regarde rien. Continue de souffrir pour le Seigneur. Amen. Parce que tes souffrances représentent des éléments, des outils de construction, des instruments de construction avec lesquels Dieu va construire ton corps céleste aussi. Yes. Tes prières ici sur la terre sont comme des instruments de construction avec lesquels Dieu va construire ton corps céleste au ciel. Tes offrandes que tu fais ici et tout ce que tu fais pour le Seigneur sont des œuvres qui sont comme des instruments, des éléments pour construire ton corps qui est au ciel. Voilà pourquoi nous ne devons pas perdre courage. Amen. Nous devons continuer dans notre foi. Dis à ton frère, ne perds pas courage. Ne perds pas courage. Parce que ton corps va revêtir l'immortalité. Il y a un jour qui arrive où la maladie n'aura plus de pouvoir sur toi. Hier, je parlais avec maman et je lui ai dit pourquoi souvent elle m'a dit que c'est un problème génétique. Au ciel, il n'y a pas de problème génétique. Amen. Il n'y aura pas de problème génétique. Amen. Mais nous serons tous liés à un gène qui est le gène de Jésus. Amen. Parce que nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Amen. C'est pourquoi il dit qu'il a racheté pour Dieu des hommes de toute tribu, des hommes de toute nation, de toute génération, de toute saison. Il les a tous rassemblés en lui, en Dieu, en Christ. Amen. C'est pourquoi il est le Père de toutes les familles de qui sont sur la terre. Il va aussi sauver les hommes de toute langue. Parce qu'il est aussi le Dieu de toutes les langues. Voilà pourquoi l'évangile est répandu sur toute la terre. Et c'est pourquoi je dis souvent que Satan n'a pas vaincu le Seigneur. Dans ce combat de la foi, Jésus est celui qui est gagnant. Amen. Jésus est celui qui est gagnant. Et au ciel, nous serons plus nombreux que ceux qui iront en enfer. Amen. Mais vous ne pouvez pas les faire. Au ciel, nous serons plus nombreux. Au ciel, nous serons plus nombreux. Amen. C'est pourquoi je vous dis, Dieu ne considère pas le diable comme son ennemi. C'est le diable qui essaye de forcer. Parce que Dieu est tellement serein. Il dit, je tiens mes brebis entre mes mains. Et personne ne peut les ravir entre mes mains. Ou bien vous pensez que ce sont des paroles inutiles. C'est pourquoi tu ne dois pas craindre la mort. Tu ne dois pas craindre le séjour des morts. Tu ne dois pas craindre l'enfer. Si tu crains la mort aujourd'hui, est-ce que tu auras l'assurance que tu seras sauvé? Ceux qui craignent la mort, qui craignent l'enfer, qui craignent le séjour des morts, ne pourront pas être sauvés parce qu'ils n'ont pas l'espérance d'une vie meilleure. Le salut se trouve dans l'espérance. Le salut se trouve dans la foi. C'est lorsque l'espérance augmente, la foi augmente, que tu te sens rapproché de l'éternité, tu te sens rapproché de Dieu. Mais lorsque ta foi et l'espérance de la vie nouvelle en toi commencent à baisser et à diminuer, en même temps ton salut commence à perdre poids. Donc, pour avoir l'assurance que tu es sauvé, que tu seras ressuscité au jour du Seigneur, il faut te fortifier par la parole de Dieu. Il faut te fortifier qu'un jour, si tu demeures dans la foi en Jésus, la mort n'a pas de pouvoir sur toi. Amen. Le Seigneur de la mort n'a pas de pouvoir sur toi. Amen. Et je le déclare sur vous qu'à partir d'aujourd'hui, la mort n'a plus de pouvoir sur vous. Une forme de mort n'a plus de pouvoir sur vous. N'a plus de triomphe sur vous. Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Et Jésus a renversé le pouvoir de la mort. Il a englouti la mort par la vie. Et la vie habite vos corps. Ne soyez pas dans cette peur. Ne soyez pas dans cette crise. Votre jugement est fait par la parole que vous recevez. Amen. Et vous ne passerez pas par le jugement. C'est les princes de ce monde, les fils de ce monde des ténèbres. C'est eux que Dieu jugera. Parce que les œuvres viendront à la vie pour la honte, c'est-à-dire pour être jugés, condamnés. Mais nous, nous viendrons à la vie pour la gloire éternelle. Pour l'éternité, nous allons vivre avec Jésus. Parce que c'est sur la terre que notre jugement se passe. Dieu nous éprouve par le feu quand nous sommes sur la terre. Lisez, c'est ces preuves qui nous fortifient, qui nous éprouvent. Nous marchons.
marchons dans l'épreuve, nous marchons dans le jugement lorsque nous sommes sur la terre. Le tribunal de Christ, c'est tout ce que nous vivons ici sur la terre, où Dieu essaye de voir si nous allons rester toujours avec lui, si nous allons nous maintenir dans la foi, si nous n'allons pas le quitter. C'est pourquoi il dit, celui qui me remit dans ce monde, je le remettrai aussi devant mon Père. Pourquoi le tribunal n'est pas, ne commence pas au ciel, il n'est même pas au ciel. Le tribunal commence sur la terre. C'est pourquoi si tu renonces à Christ, tu rejettes, tu renies Christ ici, tu es déjà en train de le renier. Et au ciel, il te reniera parce que tu l'as déjà renié. Mais si tu ne le renies pas et tu demeures en lui, tu ne passeras pas par le jugement. Amen. Tu as la vie éternelle. Amen. Seuls ceux qui croient qu'ils ont la vie éternelle en Jésus l'auront réellement. Amen. Donc à partir d'aujourd'hui, crois que tu as la vie éternelle. Amen. Parce que c'est par la vie de l'Esprit que nous pouvons vivre des choses surnaturelles, que nous pouvons être ressuscités, que la mort n'aura plus de pouvoir sur notre vie, n'aura plus de pouvoir sur notre corps. Et si tu as cette espérance, même quand tu vois un mort, tu sais que le Seigneur peut le ressusciter. Amen. Et tu as la capacité de déployer par ta foi, de prier pour lui par ta foi, afin que Dieu le ramène à la vie. Quand tu vois un malade qui semble être mort à cause du corps charnel qu'il porte, par la foi, à la nouvelle vie, tu peux prier pour lui et Jésus va le guérir et le Seigneur va lui donner encore la vie. Parce que nous vivons tous les jours des choses surnaturelles. Parce que l'esprit qui habite en nous n'est pas l'esprit du naturel, c'est l'esprit du surnaturel. C'est l'esprit qui ramène les choses inanimées, les choses mortes à la vie. C'est l'esprit qui donne vie aux corps qui sont morts. C'est ce même esprit qui fait de nous des corps célestes. C'est bon, c'est bon. Le verset 4, c'est bon. Simple. Verset 5. Est-ce que vous croyez que les premiers apôtres ou les premiers chrétiens ont peur? Ont peur de ne pas être sauvés? Est-ce que vous croyez ça? Non, 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 non. Ils ont la confiance en Jésus. Parce qu'ils savent que ce n'est pas eux qui se sauveront. Ils ont la confiance que Jésus ne les trahira pas. Parce qu'il les a promis, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous me demanderez, je vous l'accorderai, signe du salut qu'ils ont reçu. Parce que le fait que tu vis des choses surnaturelles, le miracle avec Dieu, le fait que Dieu t'a accompli des choses dans ta vie, c'est aussi un signe que tu as reçu un salut qui est extraordinaire, un salut qui n'est pas naturel. Continuez, vous allez voir le discours des apôtres. Verset 5. Oui. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu. Celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu. Hein? Il nous a donné les arts de l'esprit. Il nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes dans le prochain point. Les arts de l'esprit, c'est les caractères de l'esprit. Les caractères de Jésus. Les fruits de l'esprit que vous connaissez tous. Hein? Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Nous sommes loin, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Oui. Nous sommes pleins de confiance. Nous sommes pleins de confiance. Sois plein de confiance. Dis à ton frère. Sois plein de confiance. Sois plein de confiance. Sois plein de confiance. Sois plein de confiance. Et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès. Et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer loin auprès, du Seigneur. Auprès du Seigneur. Et il dit finalement quoi? C'est quoi? C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. C'est pourquoi tu dois t'efforcer maintenant à lui être agréable. Toi, ce qu'on te demande, c'est d'être agréable à lui. Si chaque jour tu lui es agréable, tu demeures en lui, il ne t'abandonnera pas. Amen. C'est lorsque tu n'es pas agréable à lui que tu ne pourras pas entrer. Mais si tu t'es vêtu à être agréable, et par la foi, par l'amour de Dieu, tu te rapproches de lui. Et lorsque tu te rapproches de lui, tu seras aussi avec lui. Parce que tu as été avec lui dans ce monde. Il dit encore, soit que nous demeurons dans ce corps, oui, soit que nous le quittions. Oui. Car il faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Voilà, car il faut que tous
comparaître devant le tribunal de Christ. Oui. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Très bien. Étant dans son corps. Afin que chacun reçoive le bien qu'il a fait, étant dans son corps. Nous serons éprouvés lorsque nous sommes dans notre corps. Dieu va nous juger, il va nous jauger lorsque nous sommes dans notre corps. Il va nous éprouver par le feu, par les tribulations. Il va nous éprouver aussi par des épreuves qui viendront. Et aussi par les tentations qui vont se présenter devant nous. Si nous faisons du bien, nous serons avec lui. Mais si nous faisons le mal, étant dans notre corps, nous sommes jugés par Christ. Est-ce que vous comprenez? Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Jésus est Seigneur! Amen. Qui croit à cela? Qui croit que Jésus est Seigneur? Amen. Alléluia, alléluia, alléluia! Amen. Nous allons continuer, nous allons poursuivre. Vous allez me prendre le livre des Actes des Apôtres 2, le verset 27. Et vous allez écouter un discours qui va encore rafraîchir les mémoires. Un discours d'un apôtre du Seigneur qui parlait au sujet de la mort et aussi de ce que Dieu avait annoncé par David dans les psaumes. Oui. Actes chapitre 2, verset 27, le nom de Jésus. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître le sentier de la vie. Oui. Tu me rendras au joie par ta présence. Oui. Enfin, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qui est mort, qu'il a été enseveli. Et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Va au verset 35. Ici, il veut parler de la résurrection de Jésus. Mais de cette résurrection aussi est sortie, nous, notre résurrection. Parce que s'il ne laisse pas son sein dans la corruption, nous sommes quoi? Nous sommes ses saints. Et il ne nous abandonnera pas aussi dans la corruption. Verset 35. Le même livre dit la même chose dans le 35, lui. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc, avec cette joie, que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Alléluia. C'est la partie, une parole de David. Même quand vous commencez par le verset 5, on nous mentionne que c'est David qui l'a dit. Et il a dit dans son livre, ses psaumes, dans le livre de Psaume 16. Psaume 16, verset 10, qu'on ne va pas lire, vous allez lire ça après à la maison. Gloire à Jésus. Nous allons dévoiler un mystère. En commençant, nous allons lire le livre de Romains 8, 29. Vous allez comprendre encore quelque chose. Tout est déjà clair. Tout est en train d'être ôté. Le voile est en train d'être déchiré. Romains chapitre 8, verset 29, je lis au nom de Jésus. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés, et ce qu'il a appelé, et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Nous devons suivre le processus que Jésus lui-même a suivi lorsqu'il était sur la terre, qu'il a amené à être glorifié. Si nous ne suivons pas ce processus, nous ne pouvons pas être enlevés avec lui. Il dit, ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Et ce qu'il a prédestiné, il les a appelés. Ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a maintenant glorifiés. Donc, Dieu nous a déjà connus d'avance. Il a connu tous les hommes. Et à cause de cela, il a prévu pour nous un salut. C'est ça la prédestination. Il nous a prédestinés tous à la vie éternelle.
élève. Il t'a prédestiné, même les païens, ceux qui ne le connaissent pas maintenant, ont été tous prédestinés à la vie éternelle. Mais parmi ceux qui ont été prédestinés à la vie éternelle, il y aura des gens qui vont être élus par leur acceptation de la prédestination de Dieu, par appel de la foi, par la foi de la prédestination de Dieu qui viendra comme un message de vie qui va les appeler à être avec Dieu ou à accepter le salut de Dieu. Donc ces gens seront élus, ils seront sauvés, mais il y aura aussi une partie qui ne sera pas élue ou qui ne sera pas sauvée. C'est pourquoi il dit, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Nous, nous sommes les appelés. Il faut qu'il nous justifie par la foi. Et si nous sommes justifiés par la foi maintenant, nous sommes aussi glorifiés. C'est pourquoi il dit, après les avoir justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc le Seigneur Jésus aussi a subi le même processus. Cela a été expliqué plutôt dans 1 Timothée 3,16, où on dit, et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Celui qui est manifesté en chair, cru, justifié par l'Esprit, cru dans le monde, vu des anges et élevé dans la gloire. Il est manifesté par la chair sur la terre, il a cru dans le monde, il a été justifié par l'Esprit. Il a été vu aussi par les anges, parce que les anges n'ont jamais vu Dieu. Les anges qui sont même dans le ciel ne pouvaient pas voir Dieu. C'est pourquoi ils se couvraient la face pour ne pas le voir. Donc quand Jésus a été manifesté, les choses ont été découvertes. Et même les anges ont pu connaître la face de leur Dieu. C'est pourquoi on dit qu'il a été vu des anges. Et cela explique aussi l'événement qui s'est passé lorsque les anges sont venus le servir dans le désert. Il a été vu par les anges. Les anges ont été toujours avec lui. Même à sa naissance, les anges l'entouraient. Pourquoi? Les anges sont tellement contents parce que c'est la naissance du Fils de Dieu. Dieu est venu maintenant pour que tous puissent le voir. Même les anges au ciel ne le connaissaient pas. Donc c'est une opportunité pour eux de voir, d'écarquer les yeux pour voir Dieu. Et c'est ce Dieu qui habite en toi. Vous ne voyez pas que Dieu nous aime tellement d'un amour éternel et profond. Donc, il a été vu des anges, il a grandi dans le monde, il a été justifié par qui? Par l'Esprit. Parce que la chair ne sait de rien. Et c'est l'Esprit qui vivifie le corps. La chair est faible. Même la chair de Jésus a été faible. La chair de Jésus était aussi faible. C'est pourquoi Jésus avait, il craignait la mort. Il disait quoi? Il disait que cette coupe s'éloigne de moi. Mais finalement, il a fait la volonté de Dieu parce qu'il sait que c'est dans la volonté de Dieu qu'il va triompher la mort. Jésus a affronté la mort parce qu'il a accepté mourir pour nous donner la vie éternelle. Jésus avait aussi craigné aussi cette coupe qu'il devait boire, qui est la mort, à cause du corps matériel qu'il portait. Devant la mort, nous tous, nous aurons peur. Devant la mort, nous tous, nous aurons une peur parce que nous savons un corps qui n'aime pas fléchir devant la mort, un corps orgueilleux. Mais lorsque nous allons passer de cette vie, de ce corps au nouveau corps que nous allons porter, nous serons dans la joie. La mort ne sera pas plus pour nous quelque chose, un règne qui nous domine, mais nous aurons la vie à travers la mort. Donc la mort est comme ce mystère que nous ne connaissons pas. Mais lorsque nous découvrons Jésus, le mystère de la mort, nous le dénudons, nous l'ôtons, nous l'enlevons. Nous connaissons tout ce qu'est la mort, mais nous avons le pouvoir, la victoire sur la mort. Les païens n'ont pas la victoire sur la mort. Les incirconcis, les injustes n'ont pas la victoire sur la mort, mais c'est nous qui avons la victoire sur la mort. Donc quand Jésus a été justifié par l'Esprit, on nous dit qu'il a été maintenant en fait élevé dans la gloire. De même, nous aussi, nous serons justifiés par l'Esprit comme lui et nous serons aussi élevés dans la gloire. Si l'Esprit ne nous justifie pas, nous ne serons pas élevés dans la gloire avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et il y aura aussi quelque chose qui va se passer. Parce que la mort et le séjour des morts va prendre ceux qui se trouvent en elle.
Nous avons parlé des saints, de leur destination. Quand les saints seront réveillés et ils iront au ciel, ils seront ressuscités pour la vie éternelle et les autres pour le repos. Mais après cela, il y aura encore plusieurs autres temps. Et quand on parle des temps sont finis, quand on dit souvent les temps sont finis, les temps sont finis, on ne nous parle pas seulement de l'enlèvement. Mais les temps, la fin des temps a été annoncée à partir de la venue de Jésus, de l'entrée de Jésus déjà dans le monde. C'est pourquoi vous allez voir même les disciples disent, nous avons peu de temps. Les temps sont finis. Le jour se lève, la nuit est avancée. Parce que depuis même le temps, les temps sont finis. Mais chaque temps a un nom. Il y a le temps du salut que Jésus a annoncé lorsqu'il est venu. Il y a le temps de la grâce qui a été annoncé lorsque le Saint-Esprit est descendu. Il y aura aussi le temps du ravissement de l'enlèvement au ciel, que où nous allons faire un bout de temps avec le Seigneur au ciel, avec lui, et nous allons manger avec lui à la table des noces. Comme il dit dans Luc 13, il dit, plusieurs viendront de l'Orient, viendront manger à table avec Jacob, avec Abraham, avec Isaac, les trois grands patriarches d'Israël. Donc, nous allons tous manger avec lui, être avec lui pendant le temps du ravissement ou de l'avènement du Seigneur. Après ce temps, il y aura encore quelque chose qui va se passer, un autre événement. C'est encore un autre temps. Ce sera le temps du millénium. Et avant cela, Jésus va revenir avec nous. Il va combattre le diable. Il va combattre ses agents. Il va combattre son armée qui sera sur la terre en ce moment. Ils seront tous sur la terre et cela on dit, il est vaincu, l'agneau est vaincu parce qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et nous les saints, nous serons avec lui, dans nos vêtements changés, dans notre habit nouvel, dans notre gloire, dans notre corps céleste, nous allons combattre avec eux et nous allons les vaincre. Et c'est là Satan sera jeté, il sera attaché, il sera jeté maintenant dans la Bible pour 1000 ans. Et nous allons régner avec Jésus pendant ces 1000 ans avec notre corps. Certes, c'est le temps du millénium. Donc quand les temps sont finis, il y a beaucoup de choses qui se trouvent dedans. Quand tu vas évangéliser, tu dis, les temps sont finis, tu es en train d'arrêter d'annoncer une prophétie. Une prophétie qui doit s'accomplir avec le temps. Parce qu'on dit, les temps, ce n'est pas un seul temps. Ça ne s'arrête pas seulement à la mort ou à l'arrivée de Jésus. C'est tout un processus. Donc après cela maintenant, qu'est-ce qui va encore se passer? Après le millénium, Satan va se réveiller pour faire un peu du bruit. Il va amasser les hommes de la terre comme le sable de la mer et ils vont maintenant combattre Dieu dans son royaume. Et c'est là que Satan sera totalement vaincu. Lui et tous ses agents, ils seront envoyés en enfer pour toujours. J'oubliais, la première fois où Satan sera jeté à la seconde venue plutôt de Jésus, qu'on appelle l'Armageddon, il sera attaché avec le faux prophète. Il y a le faux prophète et l'Antichrist qui seront jetés. Eux d'abord vivants, ils seront jetés vivants dans le feu éternel. Eux, ils seront jetés vivants. Là, pour eux, ils ne connaîtront pas la mort. C'est comme nous qui allons être sauvés vivants, étant vivants. Eux, on va les attraper comme ça et on va les jeter vivants dans le feu éternel. Et c'est après ça que Satan sera attaché pour que Jésus fasse les millénaires avec nous sur la terre. Après cela, il lui sera permis encore de troubler la terre pour un temps, de conquérir, de séduire encore les hommes pour aller combattre Dieu. C'est dans ce temps-là qu'il y aura la grande tribulation. C'est-à-dire avant le millénium, la grande tribulation, il y aura la grande tribulation. Lorsque nous serons au ciel avec Jésus. Donc les gens de la terre, le diable va d'abord les séduire pour un temps, mais il va combattre aussi les saints. Il va tout faire pour les soumettre à son autorité. Mais ceux qui vont résister aussi, Dieu peut les sauver. Dieu va encore leur donner un temps de salut pour les ramener à lui. Et c'est après tous ces événements qui sont toujours dans le temps, après le millénium, après l'Armageddon, après la toute dernière guerre, qu'on appelle souvent Gog et Magog. Ça se trouve dans Ézéchiel 38-39, qui est une guerre farouche où le diable va combattre
avec Dieu et son ami, c'est-à-dire nous et les anges de Satan, aussi les hommes qui sont au service de Satan. Ils seront tous maintenant vaincus et ils seront tous jetés dans le séjour des morts pour l'éternité. Et c'est après tous ces événements maintenant qu'il y aura le dernier jugement, le jugement du trône blanc, où tous viendront à la vie. Ils reviendront tous. Vous voyez que notre résurrection, c'est tellement, c'est la première résurrection. C'est pas en même temps qu'on sera ressuscité, mais nous, on est ressuscité premièrement pour la vie. Et c'est après ce moment que ceux qui sont morts avec le corps qui n'ont pas accepté Jésus, ou qui ont vécu une vie méchante, une vie mauvaise sur la terre, qui ont fait des choses atroces sur la terre, ils reviendront maintenant à la vie pour être jugés. Et c'est là qu'on dit que la mer aussi rendra les vies qui sont en elle, les morts qui sont en elle. Dans Matthieu, dans Apocalypse 21, la mer aussi va rendre les vies qui sont en elle, le séjour des morts, la terre va rendre toutes les vies qui sont en elle, ou tous ceux qui sont morts, qui sont en eux, c'est-à-dire la mort et le séjour des morts. Et ils seront tous libérés, et le trône blanc, sur le trône blanc, Dieu va maintenant les juger. Donc eux, leur sort se trouve tellement à la fin. C'est eux, ils seront au dernier événement du temps. Et c'est là qu'ils seront tous jugés et ils seront envoyés maintenant à la honte éternelle. Ça fait vraiment pleurer. C'est pourquoi tu dois tout faire pour ne pas être parmi ces gens-là. Tu dois t'accrocher à Jésus. Tu as la vie avec toi. Ne néglige pas cette vie. Attache-toi à lui. Sanctifie-toi encore davantage. Rien le péché, parce que l'esprit que tu as reçu est un esprit qui ne travaille pas avec le péché. Marche toujours dans la lumière. Et ainsi, tu vas éviter l'opprobre éternel. Tu vas éviter la honte éternelle. Et Dieu va t'accueillir avec lui dans son royaume. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Qui est content après tout ce développement? Nous allons faire une conclusion avant de prier, parce que le temps est aussi parti. Ça, je l'ai rédigé, je vais vous faire ça. Bien-aimés, nous retenons ceci. Nous retenons que la résurrection, comme les autres mystères de Dieu, a trois dimensions. Donc la résurrection miraculeuse qui se manifeste par l'amour de Dieu, la compassion de Dieu ou même la puissance de Dieu afin que Dieu soit glorifié. Et c'est le cas de Lazare, de la fille de Jairus que nous avons dit. La résurrection de l'esprit consiste à lui au renouvellement de notre intelligence, la renaissance de notre homme intérieur en Jésus-Christ. Et ceci nécessite à faire de nous des enfants et des fils de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit à Nicodème, si un homme naît de nouveau, c'est-à-dire d'eau et d'esprit, si un homme naît de la parole et de l'Esprit de Dieu, il ne peut entrer au ciel. La nouvelle naissance est donc nécessaire. Car sans la nouvelle naissance, personne ne peut entrer au ciel. Avec tout ce qu'on a appris, on est en train de comprendre que si nous ne sommes pas nés ou renouvelés dans notre esprit, ressuscités dans notre esprit, nous ne pouvons jamais aller au ciel. N'est-ce pas? Tu peux te débrouiller sur le corps. C'est bien. Mais ça, c'est encore basé. Si tu t'arrêtes au dépouillement et tu ne nourris pas ton esprit, pas la parole de Dieu, pour être fils de Dieu, pour connaître Dieu, mon frère, ma soeur, c'est grave. Tu ne peux pas entrer parce que tu ne seras pas vêtu. Parce que c'est l'esprit qui va te vêtir auprès de Dieu. Le dépouillement du corps te permet de ne pas participer à ces œuvres qui vont combattre ton âme et ton
l'esprit qui vont faire bien à ton âme. Voilà pourquoi le Seigneur te demande de te dépouiller pour ne pas être emporté dans les convoitises comme la fornication ou l'impudicité. Mais si tu crois que le salut se trouve uniquement dans le dépouillement du corps, tu te trompes. Parce que le dépouillement du corps n'est pas encore, n'est même pas le synonyme de salut, n'est pas le fait que tu sois accrédité pour être sauvé. Tu te dépouilles du corps, mais ne laisse pas ton esprit dans le sommeil. Si ton esprit dort, mon frère, tu n'entreras pas au ciel. Est-ce que vous comprenez? C'est le plus important que je suis en train de vous dire. Nous avons compris que les morts en Christ ressusciteront premièrement pour la vie éternelle. Les morts en Christ ressusciteront pour l'opprobre ou la honte éternelle. Après l'enlèvement des élus vivants et des morts en Christ ressuscités, c'est après leur enlèvement et leur résurrection que les autres morts, eux, ils viendront aussi à la vie pour la mort éternelle. Nous avons compris que c'est par la résurrection de Jésus que nous croyons aussi être ressuscités à la fin et pour être avec Dieu pour toujours. Nous devons comprendre ceci qui sera la dernière conclusion, la leçon qu'il faut garder en nous. Que ceux qui n'ont pas été ressuscités, je l'ai dit, mais je le répète encore, dans leur esprit, ou qui n'ont pas reçu la régénération ainsi que le renouvellement de leur intelligence, ne ressusciteront pas au son du cri de la voix du Fils de Dieu. Sans la résurrection de l'esprit, c'est-à-dire la nouvelle naissance spirituelle, aucun homme ne peut obtenir auprès de Dieu le gage ou l'assurance de son salut. Alors, sans la résurrection de l'esprit humain de l'homme, il n'y a pas de rédemption du corps. Parce que quand on parle de la résurrection, on parle aussi de la rédemption du corps. Nous avons la rédemption maintenant comme promesse, mais nous aurons la rédemption comme manifestation et réalité lorsque nous serons ressuscités. Nous comprenons aussi que la résurrection miraculeuse n'est pas priorité dans notre vie. Ce n'est pas le plus important. Cependant, Dieu le fait pour manifester juste aux hommes son amour, sa compassion ou même sa miséricorde ou sa grandeur afin de d'augmenter la foi aux incrédules. Mais ce qui est important, c'est que nous soyons nés de nouveau. Nous avons ainsi répondu à la question de Nicodème. Comment est-ce que l'homme peut connaître de nouveau? Alléluia. Amen. Tu vas te tenir sur tes pieds et nous allons prier. Vous allez me chanter le chant qui dit: tu peux naître de nouveau. Tu peux. On a répondu à toutes les questions. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Qui va me rappeler les questions et on va voir si on a répondu à toutes les questions. Seul de cas, vous avez les questions. Vous avez les cinq questions, les cinq grandes questions que j'ai énumérées au début. Voilà. Commencez par le premier. Si on a répondu, vous allez répondre oui. Si on n'a pas répondu, vous allez dire non. Non, venez devant, c'est mieux. La première question, que se passe-t-il à la mort? Que se passe-t-il à la résurrection des morts? Que se passera-t-il à la résurrection des morts? Est-ce que cela a été répondu? Ok. En tout cas, demain, tout le monde doit répondre à ces questions. Je peux prendre Caleb et je vais lui poser l'une dans tes questions. Si tu ne réponds pas demain, tu auras chaud. Tu auras chaud avec moi le samedi dans la journée. Hein? Oui?
La deuxième question, quelle sera la destination finale du corps, l'âme et l'esprit? Est-ce qu'on a répondu à ça? D'accord. Troisième question, les sœurs seront-ils jugées à la résurrection? Est-ce qu'on a répondu? Quelle était la réponse? C'était non. Quatrième question, les injustes aussi seront-ils ressuscités? Est-ce qu'on a répondu à ça? Oui. Et on a dit quoi? Voilà. Mais pour le problème. Cinquième question, est-ce que notre corps habitera avec le Seigneur? Est-ce qu'on a répondu à ça? Oui. Bon, on a parlé du corps céleste. Oui. C'est là que j'ai parlé du concept du corps céleste. Oui. La suite de la cinquième question. La résurrection sera-t-elle consécutive ou simultanée? Est-ce qu'on a répondu? Oui. Et on a dit quoi? La résurrection n'est pas simultanée, mais elle est consécutive. Donc, on va continuer. Que le Seigneur soit glorifié. Acclamons pour Jésus. Acclamons pour le Seigneur Jésus.